So welcome everybody. It's a pleasure to open the first public lecture of the trimester. On this trimester we organized three public lectures and today is the first. The speaker is Jean-Philippe Bouchot. Jean-Philippe graduated from the École Normale and now he's a professor of physics at l'École Polytechnique. And he's also the founder and the chairman of the Capital Fund Management. So today the lecture of Jean-Philippe has a title which is La crise économique et financière, un point de vue de physicien. The talk has been planned in French, but the slides are in English, especially because we expected also a general public to attend, and the lecture will be videotaped. Are there particular objection? Is there somebody that does not really understand French by raising hands? Well, a little bit of effort with the slides should be enough. Please. Okay, well, good afternoon. I should probably put that. Can you hear me? Probably doesn't work, this. I have to be careful because it's recorded, so. Can you hear me? Yes. Yes, okay. Ah oui, donc il faut que je le fasse en français, pardon. Donc, effectivement, je pense que certaines personnes vont avoir peut-être des difficultés à suivre le français, mais j'ai fait les slides en anglais, je vais essayer de ne pas parler trop vite pour garder le public avec moi. Mais bon, c'est toujours délicat dans ce cas-là et j'étais un peu dans l'ambiguïté de la langue que je devais choisir. Donc peut-être que même mon esprit va avoir du mal à faire la traduction entre les slides et le discours. Bon, bref, donc ce dont je voudrais vous parler, c'est de quelque chose qui a mûri depuis une vingtaine d'années. En fait, la première fois que j'ai fait un séminaire de finance, c'était dans ces lieux, dans la petite salle à côté derrière, en 95, donc il y a 20 ans. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est une espèce de pot pourri d'un certain nombre de choses qui ont mûri pendant ces 20 ans, qui effectivement viennent de mon expérience dans les marchés financiers, mais aussi dans le groupe qui s'appelle Crisis, qui était un projet européen qui s'est terminé récemment. Et donc, le travail que je vais vous présenter est évidemment le résultat de réflexions avec beaucoup de gens, en particulier Mark Potters et beaucoup de chercheurs de CFM. Le groupe d'Italiens parisiens qui ont participé à Crisis, Stanislao Gualdi, Marco Tarzia, Francesco Zamponi, et puis d'autres gens dans la périphérie, João Batista, Damien Chalet, et puis d'autres personnes encore, Julius Bonnard, et puis deux économistes, Augustin Landier et David Tesma. Et donc, ce dont je voudrais vous parler, c'est effectivement d'un sujet qui est devenu extrêmement important depuis la crise de 2008, qui est-ce que finalement, on a les bons outils, les bons modèles pour comprendre la finance et l'économie qui nous entoure. Et effectivement, j'ai sur ces problèmes un point de vue de physicien, puisque malgré mon activité en finance depuis 20 ans, je suis resté fondamentalement un physicien dans la façon de raisonner. Donc, comme introduction, à quoi ça sert l'économie théorique, à quoi ça devrait servir en principe? Bon, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que ce qu'on aimerait, c'est de comprendre suffisamment le monde qui nous entoure pour améliorer autant que possible le bien-être collectif. La question qui souvent différencie les points de vue sur cet objectif final, c'est est-ce que c'est un problème d'ingénierie ou est-ce que c'est de la politique ou de la philosophie? Et en fait, à mon avis, un des problèmes majeurs qui conduit à ce schisme, c'est que les principes fondamentaux sur lesquels l'économie théorique est basée sont encore très controversés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, comme il peut y avoir en physique, sur les lois fondamentales qui permettent ensuite de faire de l'ingénierie, où tout le monde est à peu près d'accord pour conduire un projet à bien. Bon, il peut y avoir des
des désaccords de détail, mais au moins sur les principes fondamentaux, tout le monde est assez d'accord. Et clairement, on voit que ce n'est pas le cas en économie. Un des exemples clairs, c'est l'élection en Grèce récente, qui montre qu'il y a une espèce de polarisation incroyable entre gens qu'on peut qualifier d'intelligents. Il n'y a pas de raison de penser qu'en principe, les deux parties sont des gens raisonnés et qui essayent de réfléchir au mieux aux problèmes qui se posent. Et pourtant, on voit qu'il y a des oppositions extrêmement fortes qui n'existent pas vraiment en ingénierie ou en sciences dures. Alors, un certain nombre de problèmes fondamentaux qui, effectivement, si on arrivait à bien les comprendre, auraient des conséquences politiques. Alors, je les ai listés ici, une espèce de pot-pourri dont je ne parlerai pas évidemment de tous ces sujets. J'ai mis en gros un certain nombre de points qui me semblent particulièrement intéressants ou importants. Donc, qu'est-ce qui détermine la croissance, l'inflation ou la déflation? Quel type de politique monétaire faut-il suivre? Qu'est-ce qui explique les crises? Comment les crises peuvent apparaître? Alors ça, ce sera évidemment le gros point de mon exposé aujourd'hui. Le chômage, comment faire en sorte qu'il soit le plus faible possible. Il y a un gros sujet qui est évidemment très d'actualité après l'année Piketty qu'on vient de vivre, qui est la distribution des fortunes et des revenus, les inégalités. Éventuellement, est-ce qu'on peut taxer pour réduire ces inégalités? Est-ce qu'il est souhaitable d'avoir des inégalités ou de ne pas en avoir? Est-ce qu'il y a un niveau optimal d'inégalité dans la société? Toutes ces questions sont évidemment particulièrement actuelles et relancées par ce livre de Piketty. Le crédit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la confiance revienne, le fait que les gens se prêtent de l'argent, le fait que les gens se fassent confiance, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important pour qu'une économie fonctionne. Ce que j'essaierai de montrer tout à l'heure, c'est que de temps en temps, on peut avoir des crises de confiance qui ont des conséquences extrêmement tangibles sur l'économie réelle. Et dans tout ça, il y a un thème récurrent qui est le marché. Le marché qui est censé permettre des échanges et donner des prix à un petit peu tout ce qui s'échange. Donc quand on regarde les marchés, et en particulier les marchés financiers, on se rend compte que les prix d'un peu tout et n'importe quoi, les prix des actions, mais aussi les prix de la dette, des prix des matières premières, tout ça bouge tout le temps énormément, et on peut se demander qu'est-ce que ces mouvements signifient, qu'est-ce que le prix signifie, pourquoi et comment les prix de marché bougent-ils dans le temps, et ça sera aussi un des thèmes que j'essaierai d'aborder. Alors un peu en parallèle de ces défis de l'économie théorique, il y a une branche qui est, disons, l'ingénierie financière et la finance théorique qui s'est beaucoup développée depuis une trentaine d'années. Et là, donc, on essaye de fabriquer des modèles pour le contrôle de risque, la régulation des marchés. Et à nouveau, il y a un certain nombre de sujets qui sont très importants. Les produits dérivés, ce qu'on appelle donc les options, les dérivés de crédit, etc. Est-ce qu'on peut inventer des nouveaux produits? Est-ce qu'ils ont une utilité? Comment on fait pour leur donner un prix? Comment on fait pour, quand on est une institution qui émet ces produits dérivés, se couvrir? Comment est-ce qu'on organise les marchés pour qu'ils soient à peu près stables, qu'ils fonctionnent correctement? Donc il y a tout un débat actuel et une nouvelle branche, disons, de la finance théorique qui s'appelle la microstructure des marchés, qui est d'essayer de comprendre à l'échelle la plus fine comment les échanges se font. Et tout le thème de la finance haute fréquence, dont je suis sûr vous avez tous entendu parler, mais j'en parlerai pas du tout aujourd'hui, simplement c'est un thème important. Et puis évidemment, tout ce qui est estimation de risque, limite prudentielle, risque systématique, ce qu'on appelle les signes noirs, donc après le mot qui a été popularisé par Nassim Taleb, qui sont ces événements extrêmes qui ne sont pas dans les modèles et d'après lui, qui ne peuvent pas être dans les modèles. Alors, est-ce que vraiment, on ne peut pas avoir des modèles qui contiennent en eux-mêmes des événements qui ne se sont jamais vus statistiquement dans le passé? C'est une des questions intéressantes. Et alors, quand on ouvre des livres de finances quantitatives, on se rend compte que très souvent, les mathématiques qui sont utilisées sont extrêmement sophistiquées, mais malheureusement, à mon avis, très souvent aussi assez déconnectées de la réalité, ce qui pose un problème systémique en lui-même,
qui est de l'inadaptation parfois des modèles à la réalité, qui sont, cette inadaptation peut être elle-même une source de risque. Alors, pour ceux qui, que cette idée de produits dérivés et de finances, disons, hors contrôle, fait bondir, je voudrais juste rappeler que ces produits dérivés existent en fait depuis très très longtemps. On a des traces de produits dérivés un peu sous leur forme actuelle depuis les temps babyloniens. Et des modèles quantitatifs, une réflexion sur la nécessité de comprendre suffisamment en détail ces produits pour leur donner un prix, cette nécessité est déjà discutée dans un livre de Pierre de Jean-Olivier, qui est un moine du XIIIe siècle, dont j'ai cité les dates de naissance et de mort ici. Donc, il y a un livre qui vient d'être traduit récemment par Olivier Piron, qui est assez fascinant, donc ceux qui s'intéressent peuvent le regarder. Alors donc, avant d'essayer de défendre un point de vue, disons, plus récent sur ce qu'il faudrait faire pour comprendre les crises ou pour comprendre l'économie en général, Le point de vue de l'économie classique, l'économie, c'est évidemment d'abord une nécessité de faire des modèles de comportement humain. Et c'est là, en fait, que dès le départ, le bât blesse. Parce que dès qu'on parle de comportement humain, des problèmes qui sont en fait assez reliés au point de vue politique ou religieux qu'on peut avoir s'immiscent parfois subrepticement dans le type de modèle qu'on propose, et du coup le débat est parfois houleux, simplement parce que justement on ne se base pas sur par exemple des données empiriques, mais souvent sur une conception de ce que l'homme devrait être. Et donc, pour donner un petit peu de chair concrète à ce que je viens de dire, le paradigme qui est encore le paradigme standard est que les agents économiques, donc vous, moi, on est censé être parfait d'une certaine façon, on est censé être infiniment rationnel, on est censé caler nos décisions sur l'optimisation d'une fonction d'utilité qui mesure notre bien-être ou notre satisfaction. Et souvent, cette fonction d'utilité donc, est calculée aujourd'hui, mais aussi dans tout le futur, et on essaie de faire en sorte que, vu d'aujourd'hui, notre utilité future soit optimale. Alors, en allant très très vite, si on suppose que les agents sont rationnels, qui calculent leur fonction d'utilité, qui s'optimisent et qui l'optimisent, dans un certain nombre de modèles, on peut montrer, j'en parlerai tout à l'heure, que les économies, du coup, atteignent un espèce d'équilibre, un équilibre qui est optimum. Les marchés financiers sont censés être efficients, si tout le monde se comporte de façon rationnelle, c'est-à-dire que les prix que les marchés financiers décrivent sont censés refléter parfaitement la valeur fondamentale, c'est-à-dire la vraie valeur des choses. Le prix d'une action sur un marché financier est censé donner la vraie valeur de l'entreprise sous-jacente. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans ce cadre-là, le marché est censé être une espèce d'instrument de mesure qui révèle le prix, révèle la valeur fondamentale, mais qui n'affecte pas, par son fonctionnement même, le prix en question. Et donc, quand on regarde ces théories, et on y reviendra tout à l'heure, au sein de ce paradigme standard, les marchés et les systèmes économiques sont, en théorie, fondamentalement stables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être affectés par des crises de nature exogène. Il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir des choses exogènes au système qui font que le système se déstabilise, mais intrinsèquement, la dynamique même du système est censée ramener à l'équilibre. Donc on donnera un certain nombre d'exemples et de discussions de ça tout à l'heure. Alors évidemment, ce qui s'est passé en 2008 a remis en cause très profondément ce point de vue, et je citerai un certain nombre d'acteurs importants dans le monde de l'économie théorique ou dans le monde des institutions internationales. Et en particulier, en 2010, Jean-Claude Trichet, donc après la crise, prononce un discours à Francfort, à la Banque Centrale Européenne, et dit « Models failed to predict the crisis and seemed incapable of explaining what was happening.
In the face of the crisis, we felt abandoned by conventional tools. Donc clairement, on se rend compte tout d'un coup que cette image de marché fondamentalement stable, agitée par des bruits exogènes, n'est pas forcément correcte et que les outils qu'on a à sa disposition pour faire de la politique monétaire ne sont pas forcément adaptés. Donc, on a d'un côté, disons, du ring, le paradigme standard, essentiellement, avec un certain nombre de développements plus récents, qui, comme je viens de le dire, essentiellement prédisent des marchés stables et des économies à l'équilibre avec un petit bruit autour. Et puis, de l'autre côté du ring, en quelque sorte, un paradigme qui émerge, alors qui a émergé dans le passé, qui s'est éteint, qui renaît, etc. Donc toutes les idées un peu « nouvelles » entre guillemets dont je vous parlerai ne sont pas si nouvelles que ça. Le problème, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, elles n'ont jamais été poussées suffisamment pour remplacer le paradigme dominant. Mais c'est un paradigme qui est encore en gestation. Alors j'ai dit « babbling » en anglais, c'est peut-être « balbutiant » en français, où au contraire, les agents, donc à nouveau, vous, moi, on est imparfaits, on a du mal à imaginer la réalité complexe qui nous entoure, on n'optimise pas vraiment quoi que ce soit, on utilise des espèces de règles du pouce, de règles heuristiques pour prendre des décisions. On est sujet à des tas de biais comportementaux et cognitifs. On est très influencé par ce que font les autres. On est très influencé par ce qui s'est passé dans le passé. On a tendance à penser que ce qui s'est passé dans le passé va se reproduire en l'absence de plus d'informations. On tend à être soumis à des réactions de panique ou de surréaction par rapport à certains événements. On a tendance à avoir trop confiance en soi, etc. Enfin, c'est tout un tas de biais comportementaux qui ont été très étudiés depuis une vingtaine d'années. On est souvent paresseux, pas très attentif à ce qui se passe. On a tendance à ne pas regarder vraiment très loin dans le futur. On s'intéresse à ce qui va se passer dans l'heure qui vient ou dans l'année qui vient, mais pas beaucoup plus loin. Enfin bref, moi il me semble que nous sommes des humains irrationnels, un peu perdus dans le noir, et que l'image qui, comme vous voyez, est assez religieuse en fait, d'une image d'agent infiniment rationnel et parfait, c'est une image qui a des résonances avec la religion, il me semble. Et bref, donc si on abandonne un peu cette idée d'agent parfait, on arrive très vite à des modèles où en effet les économies peuvent être hors équilibre, où il peut se passer des tas de choses qui ne sont pas de nature fondamentale mais qui sont dues à la dynamique du système lui-même, et donc c'est ce que j'ai appelé ici des marchés spontanément turbulents. Alors pour illustrer un petit peu ce ring dont je parlais à l'instant avec deux points de vue assez radicalement opposés sur le monde en général et sur les marchés financiers en particulier. Je voudrais vous parler 30 secondes du prix Nobel de 2013, donc il y a eu trois récipiendaires, mais je ne vais parler que de Fama et Shiller, et j'ai appelé ça « The Great Divide », puisque bon, donc, Fama pense essentiellement que les marchés sont efficients, qu'ils reflètent une réalité sous-jacente profonde, alors que Shiller, au contraire, lui, défend un point de vue comportementaliste, disons, où les agents peuvent imprimer au prix de marché une dynamique qui la fait s'éloigner de la valeur fondamentale. Et donc, sans entrer dans le détail du débat, je voudrais juste le résumer par des citations de ces deux économistes. Donc, Fama, en 2010, donc après la crise, dit « The word bubble drives me nuts, frankly. I don't even know what a bubble means. » Et il dit plus loin, « Prices in 2008 started to decline in advance of when people recognized it was a recession. That's exactly what you would expect if markets were efficient. » Autrement dit, dans la tête de Fama, la causalité est complètement renversée. Les marchés ont eu des problèmes parce que les gens ont anticipé la récession qui a suivi et pas le contraire. Alors que Shiller, donc dans une tribune au New York Times, juste après l'attribution du prix Nobel, en octobre 2013, dont j'ai extrait une toute petite partie ici, mais qui est un article que je vous conseille très très vivement parce que tout l'article est vraiment intéressant à lire.
Donc Schiller dit « Market prices are esteemed as if they were oracles ». Donc ça reprend cette vue que justement les prix de marché nous révèlent en quelque sorte la vérité sous-jacente. « This view grew to dominate much professional thinking in economics, and its implications are dangerous. It is a substantial reason for the economic crisis we have been stuck in for the past 5 years, for it led authorities in the United States and elsewhere to be complacent about the instability of the global system. In fact, markets are not perfect and really need regulation much more than Professor Fama's theories would allow. » Donc j'ai mis cette dernière phrase en gras parce que vous voyez qu'effectivement, le point de vue vraiment théorique qu'on a sur ces choses peuvent avoir des conséquences extrêmement concrètes, en particulier en termes de régulation et de politique économique. Alors, et pour si muove, il y a pas mal d'Italiens dans la salle, je crois, donc un des problèmes de cette théorie que j'ai très brièvement esquissée des marchés efficients et des marchés à l'équilibre, c'est que la volatilité des marchés financiers et des grandes économies, par exemple l'économie des États-Unis, est beaucoup trop forte. Les marchés bougent beaucoup trop, les économies ont des fluctuations beaucoup trop fortes par rapport à ce à quoi on s'attendrait de la dynamique des fondamentaux, disons. Et donc, une des premières personnes à mettre ceci en évidence du point de vue empirique et quantitatif, c'est justement Robert Schiller en 1982, avec beaucoup d'autres travaux contemporains et depuis cette date-là. Mais sans même se poser des questions extrêmement sophistiquées du point de vue économétrique, si on regarde les marchés financiers, on se rend compte que une action typique, américaine par exemple, ou européenne, bouge de l'ordre de 2% par jour, donc grosso modo de 30 à 40% par an, à la hausse ou à la baisse. Et c'est vrai qu'intuitivement, ça paraît énorme. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, une action change de valeur aussi violemment? Ça paraît juste intuitivement, sans même penser à rien d'autre, un nombre important. Et c'est Schiller qui essaye justement de qualifier cette différence d'ordre de grandeur entre la volatilité à laquelle on s'attendrait et la volatilité observée sur les marchés. Mais surtout, il y a autre chose qui apparaît dans la statistique des variations de prix sur les marchés financiers, sur lesquelles je reviendrai au paragraphe suivant, au transparent suivant, qui est qu'il y a énormément de sauts dans les prix. C'est-à-dire que les trajectoires ne sont pas du tout des trajectoires continues, en quelque sorte. On a des sauts qui sont, disons, de nature non gaussienne et qui sont extrêmement fréquents. Et quand on regarde, quand on fait un petit peu l'analyse post-mortem de ces sauts, donc de ces changements de prix très violents, à l'échelle de la minute, par exemple, on se rend compte qu'en fait, c'est très difficile de les expliquer par quelque chose de réel qui s'est passé sur les marchés financiers. Si on essaye d'estimer la fraction de ces sauts qui est vraiment expliquée par une nouvelle qui, de façon crédible, a pu changer la valorisation d'une entreprise, et il y en a, je ne dis pas du tout qu'il n'y en a pas, effectivement, il y a un certain nombre de nouvelles qui concrètement changent la valeur d'une entreprise. Pensez par exemple à la décision de la FDA, de la Food and Drug Administration, de permettre à un vaccin d'être mis sur le marché. Clairement, la valeur de la société pharmaceutique en question va changer instantanément au moment où cette nouvelle est annoncée. Mais ce qui est curieux, ce qui est intéressant, c'est que la majorité de ces sauts n'ont pas l'air d'être dus à une nouvelle de cette nature. Ils semblent venir de rien du tout, ils semblent inhérents à la dynamique du système, de nature endogène et pas de nature exogène. Et alors, donc, cette étude peut être faite à différentes fréquences de temps. Donc, nous-mêmes, à CFM, on l'a faite sur des données à une minute, comme je vous disais tout à l'heure, en essayant de regarder autour de la minute en question s'il y avait eu des nouvelles qui pouvaient expliquer le saut. Alors, je le dis de façon très qualitative, mais c'est une étude statistique avec énormément de données, puisqu'il y a beaucoup de variations de prix à la minute. On peut faire ça sur un très grand nombre d'entreprises, etc. Mais finalement, ce qu'on a trouvé confirme simplement une observation qui avait été faite en 1989 par trois économistes américains, Cutler, Potterbaugh et Summers, qui avaient regardé les gros mouvements de la bourse américaine et avaient essayé, pour chacun de ces gros mouvements journaliers, cette fois-ci, à l'échelle de la journée,
d'identifier une nouvelle qui aurait pu expliquer l'amplitude de ce mouvement ce jour-là. Et leur conclusion était très similaire. En fait, la majorité de ces mouvements ne semblaient pas explicables de façon rationnelle par une nouvelle importante se produisant quelque part dans le monde. Et donc, ils en concluaient « The evidence that large market moves occur on days without identifiable major news casts doubts on the view that price movements are fully explicable by news ». Donc, évidemment, ça pose un vrai problème parce que, du coup, on peut vraiment se poser la question de savoir si les marchés sont aussi stables et fiables au sens d'un instrument de mesure d'un prix. Je l'imagine comme ça. Un marché, c'est censé être quelque chose qui, par agrégation de l'information, par vote, pour processus de vote, permet d'avoir un prix qui révèle une information sous-jacente fiable. Et quand on voit donc cette dynamique et les éléments empiriques dont je vais parler dans une seconde, on peut se poser la question de savoir si effectivement ils remplissent leur rôle. Et effectivement, comme Reinhardt et Rogoff ont documenté dans un livre fascinant qui s'appelle « This time is different, 800 years of financial folly », les bulles financières et les crashs semblent récurrents dans l'histoire de la finance et en quelque sorte impossible à éviter, et donc cette idée même d'avoir des marchés qui sont des instruments de mesure fiables sur lesquels on peut se fier pour prendre des décisions économiques est peut-être à prendre avec des pincettes. Alors ceci dit, quand on regarde la statistique des marchés financiers, il y a ce que j'ai appelé ici une surprise intéressante qui apparaît, qui est que ces sauts, cette statistique très turbulente des marchés n'a pas l'air d'être n'importe quoi. Il apparaît des espèces de régularités statistiques universelles qui semblent être vraies sur tout marché financier et qui suggèrent qu'on devrait pouvoir construire une théorie, ce que j'ai écrit en bas du transparent, une théorie de la volatilité endogène, c'est-à-dire d'avoir des mécanismes de rétroaction du marché sur lui-même qui permet d'expliquer le type de statistiques qu'on observe. Alors ici, donc, on m'a demandé pour le film qui est en train d'être fait, de montrer avec ma petite souris ici. Ce que je vous ai montré, c'est donc sur les deux graphes du haut des données de marché. Donc à gauche, on voit la valeur absolue de la variation de prix en relatif, donc en pourcent, du marché américain au XXe siècle. Et ce que vous voyez, c'est que bon, les régions où c'est bas ici, ça veut dire que la volatilité est faible, le marché ne varie pas beaucoup. Quand c'est grand, ça veut dire que le marché est très violemment agité. Donc ce qu'on voit ici, c'est par exemple c'est la crise de 1929, où le marché est resté très agité pendant une dizaine d'années. Et puis il y a des régions où le marché, enfin des époques où le marché est peu volatile. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on zoome sur des sous-régions, donc par exemple sur une période de 10 ans ou sur une période de 1 an, ou même de 1 mois, de 1 jour, on voit toujours cette même dynamique extrêmement intermittente de succession de régions, de périodes très agitées et de périodes qui le sont beaucoup moins. Et pour un physicien, ça met déjà une espèce de puce à l'oreille qui est que cette dynamique très intermittente apparaît dans d'autres types de systèmes. Donc par exemple, ce graphe bleu ici, c'est la vitesse dans un écoulement turbulent. Et dans un écoulement très turbulent, on voit un petit peu la même phénoménologie d'une vitesse qui est parfois très laminaire, très régulière, et puis avec des pics d'activité en quelque sorte très, très profondément marqués. Et sur le graphe de gauche ici, on a ce qu'on appelle le bruit Barkhausen, peu importe ce que c'est essentiellement la réponse d'un système magnétique à une perturbation régulière. Donc ce que vous voyez ici, c'est pareil, c'est une succession de pics localisés dans le temps, une activité donc qu'on dit intermittente, alors que la perturbation extérieure, la perturbation exogène, est totalement régulière et lisse dans le temps. C'est-à-dire qu'on perturbe le système de façon molle, mais le système, à cause de sa dynamique intrinsèque, répond de façon hachée et violente. Et donc, ça suggère que peut-être quelque chose de similaire se passe dans les marchés financiers, où finalement, les nouvelles extérieures, les grandes nouvelles qui devraient changer la valorisation des entreprises, en général, se fait de façon relativement lente, mais la réponse du marché peut être, à cause d'un effet
de rétroaction et de non-linéarité pourrait être de façon endogène extrêmement violente. Puis alors, l'autre chose qui est frappante, et je ne vais pas rentrer dans le détail de la courbe qui est ici à votre droite, c'est la loi de distribution des variations de prix, par exemple journalier, dans des coordonnées qui font apparaître les codes distribution de façon claire, donc ces coordonnées double logarithmiques, pour que essentiellement les lois de puissance apparaissent comme des droites. Et ce qu'on voit ici, c'est deux choses. C'est d'une part qu'effectivement, on voit énormément d'événements dits non gaussiens, donc d'événements qui ne devraient pas apparaître dans un monde gaussien, qui sont beaucoup plus fréquents que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un monde gaussien. Mais surtout, on voit qu'en fait, cette loi de distribution ne dépend pas du type d'actifs financiers, de produits financiers qu'on regarde. Alors, je ne rentre pas du tout dans le détail de ce que sont ces trois classes d'actifs financiers, mais ils sont très différents, hein, qui sont juste les actions individuelles que vous connaissez tous. Il y en a un autre qui concerne les CDS, donc les contrats d'assurance en quelque sorte sur la dette de ces sociétés. Et le troisième, qui est ce qu'on appelle la volatilité implicite, qui est le prix d'un autre type d'assurance sur les mêmes actions. Et en principe, ces trois objets n'ont pas du tout la même signification du point de vue économique et ne devraient pas forcément se comporter de la même façon du point de vue de leur statistique. Et pourtant, ce que vous voyez, c'est qu'on peut remettre à l'échelle approximativement toutes ces courbes. C'est vrai aussi des actions individuelles. D'ailleurs, si vous remettez la loi de distribution des variations de prix de différentes actions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, vous arrivez à retrouver des lois de distribution qui sont extrêmement proches, qui suggèrent à nouveau qu'il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui est relié à la nature fondamentale de ce que sont ces actions, de ce que sont ces produits financiers, et que ce qui conduit à cette universalité, c'est justement le fait que tous ces produits sont achetés et vendus sur des marchés financiers, et que le fait même d'avoir une activité spéculative, en quelque sorte, sur ces produits, permet, in fine, d'obtenir cette universalité de comportement. Évidemment, construire la théorie en question, j'ai mis un point d'interrogation dans Theory of Endogenous Volatility, parce que c'est pour le moment un vœu pieux. Je pense qu'on a un certain nombre de pistes et d'idées intéressantes, mais pour le moment, personne ne sait vraiment comment expliquer la forme détaillée de ces lois de distribution. Alors, je vous ai parlé de la volatilité en excès des marchés financiers, mais on peut faire à peu près la même observation dans les systèmes économiques en général. Quand on prend une très grande économie, par exemple l'économie américaine, où il y a des tas d'entreprises qui font des choses très différentes, Le principe un peu intuitif que les gens avancent, c'est qu'il devrait y avoir des chocs, effectivement, qui font monter ou baisser l'activité de certaines de ces entreprises, mais que pour des grandes économies, ces chocs devraient se moyenner et on devrait avoir un espèce d'argument du théorème de la limite centrale qui fait que la volatilité de l'économie en général devrait être faible, disons, devrait tendre vers zéro comme 1 sur la racine de la taille de l'économie pour ceux qui ont en tête le théorème de la limite centrale. Mais en fait, si on regarde une mesure de la volatilité agrégée de ces économies, comme par exemple les fluctuations de la croissance du PIB ou de l'indice de production industrielle, IPI, on voit qu'on trouve des nombres extrêmement élevés. Par exemple, depuis 1950, la volatilité, la fluctuation de l'indice de production industrielle aux États-Unis est de l'ordre de 4%. Ce qui est un chiffre énorme par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre d'une économie très diversifiée. Et donc ça a conduit dans les littératures, un peu en parallèle à ce que je vous racontais de Shiller tout à l'heure, qui a proposé ce terme de « excess volatility puzzle », Ben Bernanke, qu'on connaît tous puisqu'il a été président de la Fed pendant de nombreuses années, a appelé donc ce paradoxe ou ce puzzle, The Small Shocks Large Business Cycle Puzzle, ce qui veut dire que, en fait, on a l'impression que les chocs exogènes sont faibles, mais que pourtant, le cycle économique est très marqué et a une volatilité importante. Alors, donc, c'est un des problèmes théoriques importants
en économie. Et je cite ici un auteur qui s'appelle John Cochrane en 1994 qui dit « What shocks are responsible for economic fluctuations despite at least 200 years in which economists have observed fluctuations in economic activity, we are still not sure. » Et c'est moi qui ai rajouté le point d'exclamation, évidemment. Donc voilà, on a un petit peu, d'une certaine façon, le parallèle de la compréhension de la volatilité sur les marchés financiers qui se pose à l'économie de façon plus générale. Est-ce qu'on a vraiment les bons outils pour comprendre la dynamique extrêmement fluctuante de ces grands systèmes et pourquoi finalement le fait qu'on a un très grand nombre d'acteurs sur les marchés financiers et un très grand nombre de sociétés dans une grosse économie ne suffit pas à réduire les fluctuations, à faire régresser les fluctuations, comme on dit en physique, et d'amener ces systèmes à une certaine forme de stabilité. Donc, c'est un peu ma conclusion, l'économie classique n'est pas bien équipée pour comprendre ces crises endogènes. Et je vous rappelle, donc, c'est un petit peu ce que disait Jean-Claude Trichet, « In the face of the crisis, we felt abandoned by conventional tools. » Alors, à ce stade, je voudrais citer quelqu'un d'autre, qui est Olivier Blanchard, qui est chef économiste du FMI, qui a écrit un article en septembre 2014 extrêmement intéressant, qui est une espèce de mea culpa, en quelque sorte, surtout si on suit un certain nombre d'articles que Olivier Blanchard a écrit dans le passé, qui s'appelle « Where danger lurks ». Et donc tout l'article à nouveau est passionnant à lire, si vous y intéressez. Et je voudrais en extraire quelques phrases qui sont un peu le fil d'Ariane du reste de mon exposé. Donc son thème, c'est qu'est-ce qu'on a raté finalement dans les modèles qu'on utilisait. Et il dit « We in the field did think of the economy as roughly linear, constantly subject to different shocks, constantly fluctuating, but naturally returning to equilibrium over time. » Et donc j'ai mis ici, dans un coin, l'image que Olivier Blanchard a en tête quand il dit ça. C'est grosso modo une bille dans un bol. La bille, quand on secoue le bol, évidemment, bouge dans le bol, mais elle a tendance à revenir au fond du bol. Et c'est un petit peu ça l'image de ces modèles utilisés dans l'économie classique. Et puis un petit peu plus loin, il dit « The problem is that we came to believe that this was indeed the way the world worked. » Et puis plus loin, « The main lesson of the crisis is that we were much closer to dark corners, situations in which the economy could badly malfunction, than we thought. » Et donc cette expression de « dark corners », je la trouve extrêmement intéressante et visuelle. Et donc je voudrais la rapprocher de ce qu'on appelle en physique des diagrammes de phase et d'essayer de faire un parallèle entre justement des situations où tout peut mal se passer à cause d'un petit changement de paramètres et de situations fondamentalement de la bille dans le bol. Alors donc, comportement linéaire ou coin sombre, je voudrais vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas physiciens, un peu le concept de base de la physique statistique, qui est l'idée d'un diagramme de phase dans l'espace des paramètres. Et j'ai reproduit ici le diagramme de phase classique, liquide, solide, gaz, d'un matériau classique. Donc vous savez bien qu'en fonction de la température et de la pression, la matière peut exister sous trois formes, solide, gaz et liquide, qui est coincé entre les deux. Et ces phases sont séparées par ce qu'on appelle des lignes de transition, où le comportement change radicalement quand on change un tout petit peu la pression ou la température. Et essentiellement, ce qu'il faut retenir de ces diagrammes de phase, c'est que si on se trouve bien à l'intérieur de ces régions, ben en fait, on peut utiliser en quelque sorte une théorie de perturbation, une théorie linéaire, parce que des petits changements de paramètres conduisent à des petits effets. Le solide en question, c'est pas tout à fait le même solide, mais c'est très proche d'être le même solide, un peu n'importe où dans cette région violette. Et donc, effectivement, tout se passe bien en quelque sorte, dans le sens où des petits changements conduisent à des petits effets. Donc, ça serait l'image en économie de propriétés agrégées qui sont robustes par rapport à des petits changements de comportement des agents, qui sont, disons, l'analogue de la réalité microscopique en physique. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que, donc, comme je viens de dire, quand on est au voisinage de ces transitions de phase,
des petits changements de paramètres peuvent avoir des effets dramatiques. Et ici, je vous ai représenté évidemment l'eau au voisinage de cette température de fusion, où effectivement, visuellement, c'est une belle image parce qu'on voit que à quelques dixièmes de degré près, l'apparence macroscopique de l'eau est totalement différente. Alors, si on creuse un petit peu cette idée de transition de phase, il faut aussi que je vous rappelle qu'il y a deux types de transitions, deux types de frontières de phase. Il y a des transitions qu'on appelle discontinues ou du premier ordre, où les états d'équilibre de part et d'autre de la transition sont très différents. Par exemple, n'ont pas la même symétrie, donc comme le solide et le liquide. Et puis, il y a des transitions continues où il y a un comportement collectif qui apparaît quand on traverse ces transitions de phase, mais ce comportement collectif apparaît de façon continue. Il n'y a pas de changement radical d'un côté à l'autre de la transition. Alors, en pratique, je vais m'intéresser plutôt à ces transitions discontinues, parce qu'elles sont, elles sont intéressantes conceptuellement. Mais en pratique, quand on va un petit peu plus loin que la physique à l'équilibre, on sait bien qu'en réalité, ces lignes de transition ne sont pas franches. Il y a en fait toute une région qu'on appelle une région de coexistence où les deux phases peuvent être observées. Il y en a simplement une qui est ce qu'on appelle métastable et l'autre qui est stable. Mais la métastabilité, c'est-à-dire une stabilité apparente qui peut durer pendant très longtemps, a des conséquences qui sont tout à fait tangibles et qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, de l'eau surfondue par exemple. Et alors, ce qui est intéressant du point de vue conceptuel, c'est que si on est dans cette région de coexistence, qui est une espèce d'épaississement de la ligne de transition, on peut observer des phénomènes qui ne sont pas intuitifs. Par exemple, si on a un petit système au voisinage d'une transition de phase du premier ordre, on peut observer une variation, une espèce de basculement dans le temps du système entre deux états possibles. C'est la courbe noire que vous voyez là. Où le système se trouve pendant un certain temps dans une phase, puis bascule dans l'autre, alors qu'il n'y a aucune raison réelle de changement. C'est simplement la coexistence de ces deux équilibres. Et puis si le système est très grand, alors souvent il n'arrive pas à effectuer cette transition d'un état vers l'autre. Et donc il se retrouve coincé dans un des états qui ne devrait pas être l'état d'équilibre, mais qui a une durée de vie suffisamment longue pour que on ne se rende pas compte qu'on n'est pas dans l'état d'équilibre du système. Alors j'espère que simplement en vous décrivant un petit peu cette phénoménologie, vous imaginez déjà comment on peut essayer de traduire ça en un espèce de paradigme de crise économique. Il s'agit d'imaginer que peut-être dans certains cas, on a plusieurs équilibres en coexistence et que le système se coince dans l'un et qu'il ne suffit de pas beaucoup de choses pour l'envoyer dans un autre. Alors bien sûr, établir ces diagrammes de phase, c'est un des objectifs de la physique statistique et c'est en général difficile parce que le comportement macroscopique et le comportement microscopique n'ont aucune raison de coïncider et en général ne coïncident pas du tout. On a des phénomènes à l'échelle macroscopique qui sont réellement surprenants, réellement non intuitifs et leur apparition est réellement une surprise. Par exemple, tout le monde a l'habitude du fait que le solide est rigide, mais si on réfléchit un petit peu à la raison de cette rigidité, on a tellement l'habitude qu'on ne se pose même plus la question, mais c'est quelque chose de en fait non trivial. La superfluidité, la superconductivité sont aussi des exemples en physique qui sont très frappants. Et puis j'ai reproduit ici aussi en bas à droite, des vols d'oiseaux ou des bancs de poissons, et je fais un petit peu de publicité en avance pour l'exposé d'Andrea Cavagna dans un mois, je pense, où justement, à nouveau, on voit à l'échelle collective des phénomènes tout à fait extraordinaires de patterns d'oiseaux qui individuellement volent assez mal et qui, par interaction, produisent à grande échelle des phénomènes tout à fait spectaculaires. Alors, quelques exemples qui proviennent en fait donc de ce projet CRISIS dont je vous ai parlé tout à l'heure. CRISIS est un acronyme pour Complexity Research Initiative for Systemic Instabilities, un peu tiré par les cheveux mais finalement assez bien trouvé.
Donc de cette idée, de cette transposition, de ce concept un peu général de diagramme de phase, pour essayer de construire des modèles, disons, qui pourraient avoir cette dynamique endogène dont je vous ai parlé. Donc par exemple, un des modèles qu'on a regardé permet de répondre à la question que j'ai posée un petit peu en filigrane tout à l'heure, qui est de savoir si finalement cette idée d'équilibre rationnel, d'équilibre économique classique, est pertinent pour comprendre le monde, et si oui, dans quel cas. Et alors donc, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de ces modèles, mais imaginez donc qu'on ait un modèle assez classique dans la littérature économique de firmes en interaction, ce qui veut dire que chaque firme a besoin des produits créés par d'autres firmes pour réaliser elle-même la production de ce qu'elle souhaite faire. Et ici, j'ai représenté le réseau. Donc ce sont des données réelles d'un article d'Atala et compagnie qui représente donc le réseau des interconnexions de l'économie américaine. Alors si vous avez de bons yeux, ici en rouge vous voyez Chrysler, General Motors et Ford. Bon, évidemment c'est pour rire. Donc on a une économie évidemment très interconnectée. Donc on peut écrire un modèle assez simple qui permet de comprendre ce que ces firmes veulent faire pour optimiser leurs profits. On peut supposer que les marchés sont tels que l'offre est égale à la demande, ce qui fixe les prix, etc. Et on arrive à écrire des équations fermées qui permettent de tout calculer, de calculer les prix, les salaires, la production. Et tout ça conduit à effectivement à un état d'équilibre qui correspond à un optimum du bien-être des ménages, households. Donc c'est une vision purement d'équilibre où on obtient cet équilibre donc en faisant les hypothèses dont je viens de parler, de maximisation de profit du point de vue des firmes, de supposer que instantanément les prix s'adaptent de façon à ce que il n'y ait pas de surproduction ou de sous-production, etc. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui reste de cet équilibre si on essaye d'introduire dans le modèle une vraie dynamique, une dynamique un petit peu réaliste de comment ça se passerait en réalité pour atteindre cet équilibre. Et comme vous le savez peut-être, en physique, on se pose aussi cette question-là. Par exemple, les verres de fenêtre sont des objets qui sont très violemment hors équilibre. Donc souvent, on peut avoir un système dont l'équilibre existe, mais cet équilibre est tout à fait non pertinent pour décrire ce qui se passe en réalité. Donc c'est un petit peu la même question en quelque sorte qu'on se pose ici, en introduisant un certain nombre d'hypothèses simples de nature comportementale sur ce que font vraiment les firmes et les agents. Donc on introduit deux idées qui me paraissent relativement raisonnables. L'une, c'est que les firmes calculent la quantité optimale qu'elles devraient produire, mais n'y vont pas directement. C'est-à-dire qu'elles ont une espèce de politique prudentielle qui fait que, par rapport à leur production actuelle, elles ne font qu'une fraction du chemin qui les amènerait vers la cible optimale de production, qui peut être aussi vue comme un espèce de coup d'ajustement. Elles ne sont pas capables, du jour au lendemain, en quelque sorte, d'acheter les machines qu'il faut, etc. Donc, il y a un aspect, fractionnaire de l'évolution. Et l'autre chose, c'est qu'évidemment, les firmes ne peuvent pas, ou en tout cas, on le suppose ici, ne peuvent pas faire ce qu'on suppose en général, c'est-à-dire calculer le prix d'équilibre qui suppose que toutes les autres firmes calculent elles aussi le prix d'équilibre, etc. Et donc, en fait, on suppose que les firmes essayent de deviner le prix auquel elles arriveront à vendre leurs produits en utilisant des règles heuristiques simples. Par exemple, simplement que le prix de demain sera égal au prix d'aujourd'hui, ou que le prix de demain est une extrapolation du prix d'aujourd'hui et du prix d'hier, etc. Donc, on regarde le modèle d'un point de vue dynamique et on regarde ce qui se passe dans cette dynamique. Et ce qu'on voit, donc voilà le diagramme de phase de ce modèle. Sur l'axe des X, c'est cette règle d'extrapolation de prix. Donc 0, par exemple, ça serait l'hypothèse simple où les firmes supposent qu'elles vendront demain au même prix qu'aujourd'hui. Et sur l'axe des Y, c'est la vitesse d'ajustement. Donc, à faible vitesse d'ajustement, elles vont prudemment
de leur production actuelle vers leur production cible, alors qu'à forte vitesse d'ajustement, elles essayent d'y aller très vite. Et ce que vous voyez, c'est que l'équilibre rationnel qu'on trouve dans la littérature est effectivement stable et atteint par la dynamique à temps long quand on est en dessous de cette cloche rouge, mais n'est plus atteint quand on la dépasse. Ce qui est intéressant, c'est que l'équilibre rationnel est stable, mais malheureusement, il n'est pas assez volatile par rapport à ce qu'on observe dans l'économie réelle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce business cycle puzzle, ou ce small shocks, large business cycle puzzle de Bernanke. Alors que si on dépasse cette ligne, l'équilibre rationnel existe encore. Ce n'est pas que cet équilibre a disparu, c'est simplement qu'il est linéairement instable, et que le système donc n'y arrive jamais. Le système se met à orbiter autour de cet équilibre stable et donc engendre une volatilité intrinsèque, une volatilité endogène qui existe même en l'absence de choc idiosyncratique sur ces firmes. Alors, si on regarde par exemple ce qui se passe au niveau agrégé, ici, donc, c'est pour une valeur donnée du paramètre d'extrapolation, par exemple 0, en fonction de la vitesse d'ajustement, ce que vous voyez, c'est la production agrégée des firmes et l'utilité agrégée des ménages. Et donc, ce que vous voyez, c'est que dans toute la phase stable, évidemment, ces paramètres ne dépendent pas de la vitesse d'ajustement, on est dans l'équilibre. Et puis, quand on dépasse ce point d'instabilité, on observe un phénomène très intéressant qui est que, en fait, l'utilité des firmes décroît, on n'est plus dans cet état de bien-être optimal, un peu par définition, puisque l'équilibre est justement celui qui optimise ce bien-être collectif. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la production augmente. Autrement dit, les firmes se mettent à s'auto-consommer et de façon inefficace, mais c'est à cause du fait que, en quelque sorte, le fait de vouloir réagir trop fort à une nouvelle information fait que ce système en interaction compliquée n'arrive plus à se coordonner et se met à engendrer une espèce de volatilité, comme je disais tout à l'heure, endogène et inefficace. Alors, je me rends compte qu'il est 6h05, donc il faut que j'accélère un petit peu. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est celui de ce qu'on appelle des modèles d'agents. Donc, j'imagine que ceux qui étaient hier aux exposés de Galegatti et Deligatti ont entendu parler un petit peu de ces choses-là. Donc, qui est d'une certaine façon une nouvelle façon de faire de l'économie, qui est d'oublier les théorèmes, d'oublier les modèles analytiques, mais de se dire que on pourrait fabriquer une espèce d'économie virtuelle avec des millions de firmes et des ménages qui font des choses, et puis qu'est-ce qui apparaît de façon agrégée, qu'est-ce qui apparaît à grande échelle. Et je pense que c'est vraiment une voie extrêmement intéressante qui est encore, à mon avis, dans son enfance, à cause de problèmes dont je vais parler maintenant, qui sont des problèmes difficiles. Mais je voudrais, pour motiver un petit peu ce type de recherche, je voudrais vous citer une phrase d'un article de Mark Buchanan, qui est un journaliste scientifique, qui a écrit une tribune dans le New York Times en octobre 2008 qui s'appelle « This economy does not compute ». Et je trouve qu'il a trouvé les mots parfaits pour décrire un petit peu l'outil de simulation. « Done properly, computer simulation represents a kind of telescope for the mind, multiplying human powers of analysis and insight just as telescope does our powers of vision. » With simulations, we can discover relationships that the unaided human mind, or even the human mind aided by the best mathematical analysis, would never grasp. Alors évidemment, cette idée, elle est très commune en physique en particulier, ou en sciences de l'ingénieur, mais finalement, elle est encore relativement balbutiante en économie. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui a été fait jusqu'à présent, on se rend compte qu'il y a un problème majeur qui est que même si on fait des modèles extrêmement simplifiés de l'économie avec des agents qui interagissent, il reste énormément de paramètres du modèle, de paramètres dont il faut choisir une valeur pour effectivement faire une simulation et regarder ce qui se passe. Et donc, si on essaye d'être un tant soit peu réaliste,
il faut au moins 10 paramètres. Et donc, grosso modo, on se balade dans un espace qui est au moins à 10 dimensions. Et du coup, on est complètement perdu, quoi. Un espace à 10 dimensions, c'est un espace énorme et on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Donc, il y a vraiment ce problème des modèles d'agents actuels qui sont des modèles qui sont pas assez déterminés, en quelque sorte. Et alors, ces modèles d'agents, on peut reproduire un peu tout ce qu'on veut. Il y a une telle liberté que, effectivement, on a l'impression qu'il suffit de choisir des paramètres et ça va fitter un éléphant, comme on dit. Mais il me semble que reproduire un phénomène avec une simulation numérique, c'est pas du tout la même chose que comprendre ce phénomène. On a juste finalement un modèle qui est tellement compliqué qu'on a remplacé une réalité compliquée par un modèle numérique compliqué, mais on n'a pas forcément beaucoup progressé. Et donc, il y a toute cette nécessité de réfléchir à une méthodologie pour rendre cet outil de la simulation numérique utilisable et pertinent. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'une des voies intéressantes, c'est déjà d'essayer d'établir des diagrammes de phase de ces modèles d'agents. Et donc, je vais vous, sans définir du tout le modèle d'agent dont je vais parler, qui est ce qu'on appelle donc le modèle Mark Zero, qui ressemble au modèle de Delligatti et al., on peut essayer d'explorer l'espace des paramètres de ces modèles, et puis de voir quels sont les paramètres pertinents, et d'essayer de voir apparaître, comme dans le diagramme des phases liquide, solide, gaz dont je vous parlais tout à l'heure, des régions entières où la phénoménologie je pense que pour moi un des messages majeurs que je voudrais partager avec vous, c'est que ces effets collectifs sont souvent complètement contre-intuitifs. J'ai parlé de la supraconductivité tout à l'heure. La supraconductivité, c'est un effet que personne n'avait anticipé. D'imaginer que des électrons arrivent collectivement à se mettre dans un état qui conduit l'électricité sans dissipation, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Et un très grand nombre de ces transitions de phase en physique n'ont pas été anticipées. Parce que les phénomènes collectifs, c'est vraiment très difficile d'imaginer, justement, à partir de composants élémentaires, comment on peut avoir des comportements collectifs aussi complexes. Et à mon avis, une des parties, je reviens sur ce que je disais tout au début, sur le fait que beaucoup de débats en économie sont controversés et très polarisés, et je pense qu'un des problèmes, c'est justement notre difficulté à extrapoler de notre niveau individuel, qui est le niveau quotidien qu'on vit tous les jours, le niveau du ménage et du budget et des interactions locales qu'on a avec les gens, avec ce qui se passe à un niveau émergent, qui est le niveau collectif. Et qu'on a du mal à faire ce pas intellectuellement, et qu'on a absolument besoin de ces télescopes de l'esprit dont parlait Mark Buchanan. Donc, je pense que c'est balbutiant, comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme scientifique ou d'ingénierie pour des dizaines d'années à venir, où il faudrait essayer de faire des expériences à grande échelle en utilisant les moyens actuels, les moyens Internet, pour essayer de comprendre comment les gens se comportent vraiment. Il y a des expériences qui sont faites dans cette optique par Carl Holmes à Amsterdam, mais sur des tout petits échantillons, mais je vous conseille de lire son livre. À partir de ces comportements mesurés, on pourrait les rentrer dans des modèles d'agents à grande échelle. Mais évidemment, comme j'ai essayé de le dire, on ne peut pas simuler aveuglément sans essayer de comprendre un petit peu à quel comportement on s'attend. Et tout ça, peut-être un jour, permettra une meilleure ingénierie, disons, économique. Je voudrais signaler quelque chose sur lequel Don Farmer insiste beaucoup, et je vous réfère à son article dans Nature avec Follet, qui s'appelle sur la simulation de modèles d'agents. Il fait remarquer que entre le moment où les gens ont commencé à faire de la simulation numérique pour prédire la météo et le moment où ces simulations numériques ont été plus performantes que les méthodes classiques, qui étaient des gens qui avaient des gros bottins où ils avaient la météo des années passées et puis ils regardaient très rapidement parce qu'ils étaient des spécialistes du temps et donc ils essayaient par analogie de savoir ce qui s'était passé dans le passé et d'extrapoler le temps d'aujourd'hui dans le futur, ben en fait, ces gens-là sont restés meilleurs que les ordinateurs jusqu'au début des années 80. Donc, il s'est écoulé une quarantaine d'années
de travail extrêmement ardu et des budgets énormes pour arriver à mettre sur pied ces outils de simulation. Donc je pense qu'il semble raisonnable d'imaginer qu'un programme similaire devrait apparaître en économie aussi. Et sur ce, je m'arrête en mettant ici une liste de références, en particulier pour dire que toutes ces idées ne sont pas forcément nouvelles, et puis les articles sur lesquels cette conférence a été construite. Voilà, je vous remercie. Et je suis désolé pour ceux qui, dont le français n'était pas la langue natale. Questions in the language you prefer? Comments? Oui, le programme basé sur les modèles d'agents est très ambitieux, mais il suppose quand même qu'on arrive à avoir une description assez précise des individus, des atomes. Hein. Et moi, il y a des gens, je les fréquente depuis 20 ans, je ne sais toujours pas comment ils fonctionnent. Quoi. Donc, oui, mais alors. On va faire ça sur 65 millions de. Non, mais ce que je pense, c'est que, et tu le sais aussi bien que moi, c'est que pour comprendre la transition liquide-gaz, par exemple, on n'a pas besoin de connaître précisément la nature des molécules. Ça dépend du niveau de granularité auquel tu veux aboutir, mais je pense que déjà, d'avoir une compréhension qualitative des phénomènes auxquels on peut s'attendre, l'idée, c'est justement que, par agrégation, il y a un très grand nombre de détails microscopiques qui vont disparaître. Et que finalement, mais tout le jeu, c'est de savoir lesquels, c'est ça. Ah, mais bien sûr. Mais justement, donc c'est pour ça que ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec Francesco, Marco et Stanislao. C'est cet exercice-là sur un modèle extrêmement restreint, bien sûr. Mais c'est de voir que finalement, pour ce modèle-là, il n'y a pas 10 paramètres, il n'y en a que 2. Et que ces 2 paramètres, en fait, dans des grandes zones de l'espace des phases, ils ne changent pas grand-chose. Et je pense que déjà avoir cette compréhension-là pour des modèles plus compliqués, c'est un pas important. Mais c'est pour ça que je disais qu'à mon avis, il y en a pour 40 ans. Mais qu'il faut commencer tout de suite, parce que c'est un gros sujet. Et ce qui est étonnant, c'est justement que quand on compare au budget qui a été alloué aux agences de prédiction de la météo, c'est un peu étrange parce qu'on a l'impression que c'est aussi important finalement de comprendre le système économique dans lequel on vit que le temps qu'il fera demain. Mais on a l'impression que les budgets ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que Magisto, les gens avaient l'impression de comprendre alors que la psychologie humaine. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Parce qu'on a quand même des outils qui existent maintenant, comme Internet par exemple, qui permettent de faire des expériences online, qui permettent de voir vraiment comment les gens se comportent dans certaines situations. Donc on peut acquérir des données qui permettent un tout petit peu de narrow down, de préciser les modèles sur lesquels on veut faire ces simulations numériques. Mais je ne dis pas non plus que la simulation est la seule chose. Je pense que la simulation sans compréhension un petit peu fine de la structure, de l'espace des phases et des instabilités, c'est voué à l'échec aussi, parce qu'on va se balader dans des espaces tellement grands qu'on ne va rien comprendre et ça sera inutilisable. Donc il y a vraiment un apprentissage de cette complexité qu'il faut démarrer, enfin qui démarre d'ailleurs. Oui, alors ça c'est la critique classique. C'est la critique classique. Mais moi, je pense que ce n'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que, d'abord, rien n'interdit d'avoir des modèles où les gens essayent d'anticiper un petit peu. Hein. Mais en général, de façon réaliste, tu n'anticipes que sur ce que tu as vu.
et relativement peu sur ce que tu imagines vraiment qui va se passer, parce que c'est difficile. Et du coup, les modèles dont j'ai parlé, c'est des modèles où les gens ne sont pas complètement idiots. Il y a effectivement des règles du pouce qui fondent leur décision, qui ne sont pas rationnelles et optimales du point de vue classique, mais qui ne sont pas c'est pas n'importe quoi. Ils ne font pas n'importe quoi, les agents de ces modèles. Et donc, de rajouter éventuellement à la marge des gens qui essayeraient de gamer le système, peut-être, mais j'ai l'impression qu'avant d'en arriver là, parce que si tu veux, on peut faire exactement la même critique, et cette critique a été faite dans les marchés financiers, de dire que la modélisation des marchés financiers va changer les marchés financiers, etc. C'est pas vrai. Ça fait 30 ans qu'il y a une ingénierie financière. Quand tu regardes la statistique des marchés financiers au 19e siècle, au 20e siècle, il y a très peu de choses qui ont changé. Il y a les échelles de temps qui ont accéléré, si on veut, mais les gros traits de la statistique des marchés financiers, l'existence de tendances, les lois de distribution à large queue, la volatilité en excès et intermittente, tout ça, ça n'a absolument rien changé. Donc je pense qu'il ne faut pas surestimer la capacité d'esprit extrêmement éclairé à changer le monde, malheureusement. Sure. That should be regarded as exogenous, endogenous, and maybe it's somewhere. Okay. So that was a little bit this section that I didn't have time to comment, but I think it is possible to imagine models where you include trust or optimism or whatever and look at the dynamics of that. I would say, you know, well, the second part of your question, I tried already to answer Pablo. I think that this feedback thing that intelligent agents are going to, you know, change the theory and so on, I think is something that everybody talks about, and I'm not sure it's really that relevant. But okay, that's my viewpoint. And I think that you can go quite a long way before having to include that as a kind of second order effect. But you should start somewhere, as we know, and if you try to solve all the problems at once, you'll certainly go nowhere. And so I think that this question of the Lucas critique, in a sense, is a little bit putting the cart before the horse, but that's my viewpoint. And lastly, I totally agree, and that's why I try to emphasize that simulation is certainly not the answer to everything. I think that there's still enormous role to play for simple, simplified, stylized models, but that have the right inputs. I really think that there's a lot to be gained from just qualitative understanding. You know, I think that, again, taking into account Olivier Blanchard's remark about dark corners, even if we don't have a model that predicts beyond 7 days, I don't think it's an issue. I think that at least you should have a model that doesn't claim that the world looks like
a ball in a marble in a ball. I think that's silly. I mean, that's actually what he says, that we should be aware of the dark corners, even if we don't know where exactly they are. And I agree that it's preposterous at this stage to imagine that we're going to predict the world. It's not that. It's just like, at the very least, we should have a model that contains the possibility of crisis. At least that, I think, would be a progress. If you have a model where crisis cannot happen except if something exogenous falls on it, is ludicrous. I think we should include the possibility of markets to crash because of their own dynamics. And that's the only thing I'm saying. But that's already a big step. Yes. Your first part of the talk was a critique on the expected utility maximization of rational agents. So I'd like to hear your comments about, so there are models of bounded rationality and the adaptive learning procedures in evolutionary game theory, and whether there are models such as which have been utilized in economics, because they seem to... Sure. No, of course. I mean, there's people are using that and trying to make progress based on that. And actually, you can find things that look very different from what you get assuming purely rational agents. So, for example, you know, there are many works on that. But I did quote in my slides The Minority Game, which is a nice, very nice example of a solution where, as Brian Arthur was trying he invented essentially this model with the so-called Alfarabi problem, where actually the rational solution is self-defeating. And so in this case, you have a clear case where it suddenly doesn't work. And it's been simplified into this minority game, which is one possible example of the general theme that I was speaking about here. Well, in the minority game, you also have a phase boundary between two very distinct phases and pretty reasonable arguments to think that the system is going to self-evolve towards this critical point. And the critical point is also the point where fluctuations are maximum. So it's a very interesting story. Oh, sorry for having been a little too long, but thank the speaker again.